Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un nouvel épisode de Tabletop Simulator, toujours sur le zombie en 15 minutes, toujours accompagné de Fox de AdoptonJDR.com et de Kevidou, de YouTube Kevidou. Salut les mecs. Ça bug. C'est toi qui bug. Oh mais arrêtez de me dire que je bug, c'est fatigant. Je bug vraiment. Ah ça en a tout l'air. Ah ça en a tout l'air. Attendez. On refait la même manip, la même magouille. La même magouille. C'est bon ? La même magouille ça passe ? Non, ça a pas passé du tout. Là. C'est bon là ça passe ? Allô ? Est-ce que tu fumes toujours là ? Non là je fume pas. Mais oui. Filme et au lieu de dire bonjour machin, laisse ton record se mettre en place. C'est pas grave, on est lancé, dites bonjour. Ah c'est lancé ? Ouais on est lancé. Bah bonjour. Oh, c'est pas grave, je fais toujours la même magouille, c'est pas grave, je déco du Discord, je reviens sur le Discord, ça marche aussi, c'est pas grave. Ça fait d'accord. Encore une vidéo à la pisse, on est habitué, comme d'hab, c'est le standard, c'est le minimum standard. Je suis prêt pour faire des rediffs de live buggé, je pense, comme Jaja. Donc Kevinou, c'est l'épisode 2 du prologue, c'est bien ça. Exact. Donc vous voulez que je vous lise le nom du scénario peut-être enfin, vas-y. La fin de l'innocence, seconde partie. La découverte du commissariat est une déception. Il a déjà été dévalisé et vidé de ses armes. Les seuls objets qui pourraient servir à se défendre sont les crosses de hockey de l'équipe amateur de la police. Il va falloir faire avec. Quand vous ressortez du commissariat, un spectacle macabre vous attend. Des dizaines de zombies sont apparus dans les rues. Votre petite virée à l'extérieur semble avoir réveillé tout le voisinage. Parmi les cadavres errants, vous repérez d'anciens amis à vous et des membres de vos familles. Il faut en finir. Par respect pour eux et pour qu'ils puissent reposer en paix une bonne fois pour toutes, vous décidez de nettoyer le quartier. Au passage, vous récupérez quelques affaires chez vous avant de fuir de cet endroit de malheur. Rendez-vous au parking dans un quart d'heure. Et voilà ! On aura 15 minutes pour foutre la pilule à tout le monde. Exact. Alors, le but, c'est qu'on part du commissariat qui est juste ici. Yes. Nous devons buter tous ces petits enculés, voilà, cordialement, et arriver ici avant les 15 minutes. De toute façon, j'ai jamais aimé mes potes. C'était nul. C'était tous des bâtards. Ils étaient tous roux. Allez. Non, pas du tout. C'est quoi le problème avec les roux ? Ah, t'es roux, merde. Mauvaise pioche. Le Knarfang est un Pokémon roux, sauvage. Ah. Sexy. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez envie de faire une stratégie? Genre on reste tous ensemble, on se sépare ou quoi que ce soit? Franchement, le mieux c'est de se séparer, on a que 15 minutes. Ok. Bon bah moi je vais à droite alors. Moi, je vais à gauche. Je vais faire comme ça. Je fais un tout droit. Il y en a deux qui prennent les bas et il y en a un qui prend là-haut à gauche si vous voulez. Ouais. Et après, le dernier, en haut à droite. Par contre, faut rentrer dans la maison pour fouiller parce que nos armes sont vite utilisées. Yes. Même si elles sont assez badass. Hein. J'avoue, la crosse. Sachant que si, un truc qu'on n'a pas fait dans la précédente partie, parce qu'on a lu les règles, mais assez rapidement, si on combat à main nue, nous perdons un point de vie. Il y a des règles qui se sont rajoutées. On pioche des cartes zombies quand il y aura cri dans la bande sonore. Donc ça fera apparaître des zombies sur notre tuile du réseau actif. Que faire? Faut bien dire nier pour terminer son tour et à moi pour commencer son tour. La personne qui a pas dit à moi a juste. Enfin, si par exemple le cri arrive entre le nier et le à moi, ce sera la personne qui commence le tour. Ce qui est logique. Est-ce que ça vous va? Ok, ouais. Ça roule. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, on est chaud. Et par contre, on a revu les règles et la fouille normale, c'est trois cartes comme ça. Exact. Et la fouille minutieuse, parce qu'il y a une fouille minutieuse, c'est de piocher dans la défausse des cartes qu'on va défausser. Exact. Ça coûte une action chacune d'elles. Ça coûte une action chaque. Donc, quand et vous toutes les cartes qui sont au-dessus de la fouille minutieuse finissent dans la grosse poubelle. Qu'on pourra plus récupérer. Voilà. Donc, j'envoie quand vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts les deux? On commence toujours par sévère. Après, si vous voulez changer, il n'y a pas de souci. Non. Pas de problème.
quand vous voulez, j'envoie. Vas-y. C'est parti. C'est pas la bonne, je crois. C'est la première, ça. D'accord. Parce que le copier-coller ne fonctionne pas dans... dans Discord. Enfin, qui est droit à copier. J'ai un effet déjà vu. Tu me dis quand t'as mis le deuxième. Dans 3, 2, 1, Inch'Allah. C'est central. Hein. Alors, c'est un petit moteur diesel, il faut lui laisser le temps de démarrer. Tu parles de Fox, c'est vraiment bot. Réel. L'ambiance, puis en Tandax. J'ai même mis un petit fond un peu plus à thème. Tu veux que je te renvoie le... D'ailleurs, on est dans quelle cité, là? Peut-être ça va Non, j'ai du mal avec les commandes du DJ, en fait. J'ai mis peut-être stop, moyen, mais je ne sais pas comment on fait pour... Ah, attends, je peux le faire, moi, si tu veux. Vas-y. Je sais pas si j'ai les droits, mais... Ouais, je dois sûrement... Play... Hop. Ok, no, no command. Je peux pas. Faut que tu écrives, en fait, tu fasses point d'exclamation play, espace, le lien. Ouais, je sais, je l'ai mis, mais ça le met dans la queue, dans la file en fait. Et vous avez vu, on entend chez Fox. Alors attends. Avec help. Ah non, on n'entend pas. You. Oh, il a switch. Le bâtard. Ah non. On n'entend plus. Oh, je sais pas comment tu fais pour le bot. Ah, sinon, kick le bot et fais le revient. Ouais, ouais. J'espère que tu feras une coupure, hein, ouais. Knarfa. Ouais, ils montent jamais ces vidéos. Oui, bien sûr, je vais faire un montage de qualité exceptionnelle, hein, évidemment. Ils montent jamais ces vidéos. Mais non. Mets-toi un pouce bleu. Ah, le mec. Voilà. Voilà, il lâchait un commentaire. Attendez, il faut que je fasse une Mister MV. Si toi aussi tu as déjà joué à un jeu de société avec deux amis et que tu as mis beaucoup de temps à lire les règles, lâche un commentaire. True story. A true story, bro. Exactement. Non. Si. Sinon, je peux faire une petite musique d'attente. Petite musique d'ascenseur. Tu pourrais te diffuser une musique d'ascenseur pendant que tu cherches. On s'emmerde. Là, fallait mettre la petite musique de, Keep Talking and Nobody Explodes. J'aime beaucoup la petite musique de Keep Talking and Nobody Explodes dans l'intro, elle est quand même géniale. Jeu que j'ai souillé d'ailleurs. Ah bah c'était chaud, on pourra se faire ça d'ailleurs. Parce que moi j'ai pas avancé du coup depuis en VOD. Ah ouais ? Ouais. Bon, si tu veux carrément. Pourquoi pas ? Ça c'est carrément. Ça peut être fort intéressant. Toujours rigolo. Ouais. Faire exploser des jeux. Moi je l'ai fait un soir avec des potes complètement pétés. Ah c'est le top. Ah ouais, c'est le meilleur. Moi je pense que c'est connerie. Hey. S'il vous plaît. Attends, fais slash disconnect. Donnez-moi votre abonnement. Presque le bruit de mes caps. J'ai, hein. J'ai pas les commandes du bot. Presque. Fais voir le bruit de mes caps. Connect. Ah, c'était ça. Slash. Enfin, pour l'exclamation connect. Un peu plus différent quand même, mes caps. Slash play. Oula. C'est parti. Parti. C'est Verity. À toi. Vite. Ok, très bien. C'est Verity. Ok. Je prends une action pour me déplacer. Bonjour. Hi there, and welcome back to episode 2 of my playthrough of Zombie 15. And first of all, I have to make a small correction to what I said during my last video. Le mec il nous lâche un playthrough de Kevinou, ouais, parce que Kevinou fait des let's play en anglais. Awesome. Bélé bilingue.
Il est même trilingue, c'est ce que nous a dit Sam. Bon. Alors, le montage de cette vidéo est nécessaire. Tu vas te faire mettre. Bon, j'adore cette vidéo. Hein. La petite musique d'ascenseur, le playthrough du mec qui a été lancé. Mon Discord qui, je sais pas pourquoi, pète un boulard dès que j'appuie sur ma touche 2 dans un coin. Dès que je lance une VOD, visiblement. Surtout qu'en plus, ça a marché que sur celui-là. Hein. Ah, voilà, que ça, sur. Attends. Je crois que c'est sur. Attends. Incroyable. Attends, je vais te dire si c'est ça. Ça y donne quoi ? On peut y donner des choses. Stop, tu. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. C'est la bonne. Pardon. Envoyez un message. Alors, let's play maintenant. Ça, regardez, ça fait. L'autre, il se fait taper. Et c'est rigolo. Allez. Copier. C'est très rigolo. Ça devrait aller. Pourquoi lui, ils ont mis une masse ? Il est peut-être à la masse ? C'est un mode. On va dire quand vous voulez, les gars. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on peut re-bien signaler que le montage est nécessaire dans cette vidéo ? Le quoi ? Le montage ! Mais tu montes à l'échelle si tu veux. 3, tes étages 2, si tu veux. 1, ignition. Ignition. Ignition, feu, au départ. Ok. Très bien. Je suis Severity et je me déplace pour ma première action. Deuxième action, je défonce ces deux petits FDP. En une seule action, c'est magnifique. En une seule action, ouais, c'est parfait. Ensuite. Deuxième action, je me déplace ici et je fais... Attends, troisième action, excuse-moi, je me déplace ici. Oui. Quatrième action, je fais une fouille rapide. Donc 3. Ops. Sur un truc, putain, j'ai pas de elles sont en volu. J'ai deux zombies et une tronçonneuse qui fait du bruit. Ah, deux zombards, c'est deux zombards, mec. Hein. C'est moche, mais c'est comme ça. Tu me les mets, les zombards ? Ouais, je les mets, y'a pas de soucis. C'est mis. Merci beaucoup. Et du coup, je vais me défausser de ça. Pas dans la même défausse, mais. Ok, là il y a une carte zombie, faut que je tire une carte zombie parce que c'est encore à moi, bien sûr. Putain, elle s'est chaud. Tiens, elle est tirée. Et j'ai un zombie en plus. Et bien, un zombie en plus, juste pour toi. C'est mon cadeau à ta communauté. Et je dis nié. Quoi, t'arrêtes ton tour là comme ça avec les. Ok, à moi. Bah ouais, je suis obligé. Première action, je me mouvoie. Hein, ce zombie est dans une maison. Voilà, donc pas de soucis. Ok, action suivante, je me mouvoie. Ok, j'ai un orc toujours dissident, c'est pas grave. Troisième action, je couche ces deux-là. Quatrième action, je fonce ici. Je couche ces deux-là. Et j'ai plus d'action. Nye ! T'as couché ces deux-là, c'est ça ? Ouais. Okay. Moi, sachant que ce zombie est toujours dans la maison. Oui. Première action, je vais ici. Deuxième action, je vais ici. Et je couche les deux zombies. S'il veut. Tire une carte zombie, très cher. Je te la tire. Hop. Horde. Horde. Donc on a tiré une carte zombie parce que il y a eu un cri. Et voilà. Sachant qu'il n'y a pas de horde. Ok, pas de horde. Première action, deuxième action, troisième action, je les ai butés. Quatrième action, je vais ici. Et cinquième action, je les bute. Sachant que c'est utilisé deux fois. Ok, ma donc tu les die. Ma botte de hockey. Ok. Nier. Ok, à moi. Je tue les trois zombies ici. Donc du coup, je perds un truc. Les trois zombies sont morts. Je me déplace, deuxième action. Troisième action, je me déplace. Quatrième action, je me déplace. Cinquième action, je bute les deux zombies qui sont ici. Hop. Et du coup... À moi. Je rentre dans ce bâtiment, je fais une fouille rapide du bazar. Horde. Horde, ouais. Horde. Enfin, carte zombie, plutôt. Oh putain, la marée de son bar. Plus un zombie, donc 4, 5 zombies. 5 zombies. Bon, je peux tout de suite éclater deux zombies. Trois zombies, excuse-moi, puisque mon arme me permet d'éclater trois zombards. Ok, qui va être tout de suite remplacé par le club. Le club revient. Par le club du golf.
Le club du golf, avec ça, je peux éclater 15 zombies par un zombie. C'est ça. Donc là, j'en ai éclaté 3. Il y en a 5. J'en ouvre... Attends, j'ai fait combien d'actions? J'ai bougé une fois dans le bâtiment, c'est ça. J'ai éclaté un zombie, ça fait 2 actions. Enfin, j'ai éclaté 3 zombies, ça fait 2 actions. Puis 1, puis 1. Ok, c'est bon, j'ai 4 actions. Et j'ai fait ma fouille, donc nier. À moi. Alors, je rentre ici. Il y a un cri, de zombie qui a été. Il y a un cri de zombie. Entre nier et à moi. Donc c'est à moi de, de me taper les zombies, c'est ça? C'est ça. C'est cadeau. C'est vraiment moi qui. Alors je me tape un zombie ici. T'es dans la fouille là? T'es où? J'étais ici quand ça criait. J'étais dans la rue quand ça criait. Hop, ta race. Donc je peux pas, rentrer dans la. Je suis obligé de le buter avant. Ce que je vais faire, c'est que je le bute à main nue, je peux? Tu peux. Je le bute à main nue, je perds un point de vie. Oui. Je rentre ici pour ma deuxième action. Je fouille normalement. Ok. Je le bute avec mon arme pour la troisième action. Le bute avec. Petite carte horde. Pas de horde. Ok. Je prends quelle arme? Ça, deux, ça. Bah, je prends la deuxième. Fusil à pompe. Tu prends le fusil à pompe, tu jettes celle-là, du coup. Je jette celle-là. Donc, il y a une moyenne arme ici. Et. Okay. J'ai envie de le tuer à main nue maintenant. Non, je le tue avec mon arme. Alors, sachant que ton arme fait un de bruit. Fait un de bruit. Ça rajoute un zombie dans la horde. La horde, on va dire que c'est ici. C'est là, j'ai mis un truc horde. Ouais, enfin, je vais le mettre là comme ça on le voit. Ok. Ok, très bien. T'as terminé? J'ai fait combien d'actions? Horde. C'est rare, moi. Faut se dépêcher. Horde. Vas-y, j'ai. Je sais pas combien j'ai fait d'actions, mais je niais. Ok, d'accord. Ok. Okay. Donc à moi, donc moi je commence. Ah bah non, c'est à toi, excuse-moi. C'est à moi. Je passe première action. Deuxième action, je bute les deux zombies. Hop. Tac, troisième action, je me déplace. Quatrième action, je bute les deux zombies et je n'ai plus d'armes. Cinquième action, je me déplace dans la zone de fouille. Terminé. Yeah. Ok, à moi. Je vais faire une fouille approfondie des lieux. Donc là, j'ai le droit de prendre une carte, c'est ça, de la pioche. Ça fait rien de ma part. Excuse-moi, du coup, cette arme-là dégage. Oui, c'est la dernière que tu as mise. Ouais. Ouais, du coup, je la récupère neuve. Ouais, vas-y. Valide. Valide, laisse le zombie, c'est bon, c'est valide. Je prends donc cette arme qui est une arme à deux mains, pas de soucis. Ok, envoie-moi ton zombie là. Un zombie. Ok. Je peux choisir le friter à main nue ou pas? Oui, tu peux. Je choisis le friter à main nue. Je le sors. Donc troisième action, je ressors dans la street. Quatrième action, je vais voir les petits zonzons à côté là. Et je les ouvre en deux. Je les ouvre en deux, donc tu mets un zombie dans la zone et nier. Attends. À moi. Moi je tue le zombie avec mon arme. Je fouille je fouille 3. Fouille normale. C'est bon. Non, mais il y en a deux mec. Il a utilisé son arme aussi. Et j'ai utilisé la mienne. Ah oui, d'accord. Il y a deux zombies dans la horde. Troisième action, je tue les trois zombies. Qui, avec ton arme. Je te vois pas. Allez, hop. On prend direct. Attends, c'est ça. C'est bon, ils sont tous morts. Je les rejette. Sinon, on a pas la place. Ok, je mets. Je vais équiper de ça. J'ai plus de munitions. Le pompe est mort. Cette arme. C'était ma deuxième action. C'est ta deuxième action et tu es avec 3 zombies. J'utilise mon arme. D'accord. Je rajoute un zombie à la horde.
j'utilise encore mon arme pour ma quatrième action. Ok, je rajoute un dernier zombie alors. Et je vais sortir parce que ça me saoule. Cinquième action. Ok. Nye, yeah, je suppose. Nye. Yeah. Ok, très bien, je fais une fouille rapide. Je pioche 3 cartes. Merde, putain. 1. Oh. Oh, ça pue du cul. 5 zombies. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas d'armes. Ok, plus la horde. Tire une carte horde. 2 zombies. Oh là là. 2 zombies. Commence à y avoir un peu de monde ici. Ouais. Commence à faire chaud là-dedans. Il va falloir venir m'aider les gars parce que je vais tomber. J'en tue un à main. Je perds un point de vie. Hop. Et je vais tomber. Je cherche même pas, je vais tomber. Ils vont buter. Je suis à 0. T'en as liquidé un de plus ? Oh non. Bah non, mais de toute manière, dans ce cas-là, vu qu'il me reste 2 points de vie, je vais au moins buter 2. Bah t'en as déjà enlevé un. Et du coup, je tombe à terre. Je suis die. Yeah. Ok, à moi. Je me vois là-haut. Et je liquide les 2 zombies. Vous m'en rajoutez un dans la horde, s'il vous plaît. Ok, carte horde, s'il vous plaît. Un zombie de plus. Je choisis de me l'éclater à la main. Donc, je perds 1 point de vie. Ça fait. 3 actions, 4 actions, 5 actions. Nié. 1, à moi. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rien d'autre à faire. Nié. Bah, je suis déjà dead. Ok, à moi. Je rush. 1, 2, 3, 4. Un coup de tronçonneuse là-dedans. Tu peux pas, c'est dans la zone de fouille. Ah, ils sont tous dans la zone de fouille, c'est vrai. Ah, ils sont là-dedans. J'entre dans la zone de fouille. Ah, ben non, Nié. Tu peux. Nié. Il y a trop de zombies là-dedans. J'y vais pas. À moi. Il a choisi son action, il a choisi. À moi. Ah, oui, je pouvais tous les stop. Horde. Deux zombies sont plus. Deux zombies dans la zone de fouille. Je les bute. J'en bute 2. Avec mon pompe. Troisième action, quatrième action, j'en bute encore 2. Ok. On va te mettre 2 zombies là-haut. Hein. Et il me reste combien de zombies ? 2. Ouais. J'en bute 1. Non, je fais rien. Non, il en reste 0, il en restait 4 des zombies là-dedans. Il a utilisé 2 fois son arme. J'ai plus d'armes. Il a utilisé 2 fois son arme, il reste 0 zombies, les gars. Debout les bords. Il reste 0 zombies. Arrêtez de nous mettre des bâtons dans les trous. Ok, donc on est là. C'est Verity, c'est à toi ? Ouais, nié. Non, moi je suis dead. Ok, donc à moi, je peux te relever ou pas ? Oui, tu peux partir en tant qu'objet. Ok, horde. Ok, un zombie. Je me le fais à la main, je suis couché. Il est mort. Je suis à terre. Il reste plus que toi, Fox. De gros objets lourds ? Non, tu peux pas désolé de gros objets lourds. Alors, premier objet lourd, je vais prendre ses vernis. Nié, on s'en fout, vas-y, fais ton truc, Fox. À moi, je porte ses vernis. Et il vient avec. Deuxième action, je viens ici. Troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Nié, c'est encore un. C'est toujours à toi. 1, 2, 3, 4, je le porte. Mon objet lourd. Nié, encore à moi. 1, 2, 3, 4, 5. Nié, encore à moi. 1, 2. 1, 2, tu prends. 3, tu prends. 3 ici. 4 ici. Carte. Carte de horde. Voilà. 2 zombies. Ah merde, j'ai plus d'armes, j'aurais dû fouiller. Nié, je me bats à main nue 2 fois et je meurs. Ah putain, non. Et c'est le drama et on est mort. C'était bien. Eh non mais c'est hyper difficile. En fin de compte, il faut vraiment jouer rapidement et aller vraiment créer de l'objectif.
Je pense que... Tu peux couper le bot, s'il te plaît. Et ouais, je pense que soit on rush les objectifs, soit faut se déplacer à 2 ou à 3 parce que d'un seul coup ça se met à grimper. Si tu tires des armes à feu, comment ça se met à grimper? De ouf. Et encore en plus, enfin, il y a un truc que j'ai zappé parce que moi j'avais la tronçonneuse au départ, je l'ai utilisé 4 fois. Hein. J'aurais dû mettre 4 zombies dans le machin, j'ai pas trop zappé. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, ça aurait pu être encore plus insane. Okay. À refaire, hein, parce que là. Ouais, on a fait l'échec, on fera la victoire. Sur ce, un pouce bleu, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Hein, des pouces bleus, des commentaires, lâchez-en, n'oubliez pas. Vous aussi, connaissez-vous un Kevin. Annonce ton JDR.fr, n'oubliez pas d'aller voir Kevin. Merci. Voilà, tout ça. Ce pion rouge est magnifiquement designé. Des bisous.